ambassadeur soit aussi honoré et que partant de là, il connaisse une promotion, pourquoi pas. Que Dieu garde encore tous les invités et que le retour soit aussi favorable à chacun, que la fête soit belle. À une coopérative, ce qui marque la présence de notre illustre invité, monsieur le directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers de la Côte d'Ivoire. Soyez la bienvenue, chers frères, chers aînés, chers papas. Merci d'avoir accepté de venir ici à Dubaï. Sera plutôt investi par notre plus haute autorité, le préfet du département de Taï, qui est le co-patron de la cérémonie, ainsi que le directeur général de l'OCPD, qui, je rappelle, est le patron de cette cérémonie. Et cela sous le regard de la marraine, Madame Agoyi, Isabelle. Investi par nos mains. Et je suis sûr que toutes les personnalités ici présentes sont d'accord avec nous pour saluer cette investiture. Voilà. Mesdames, se mettre ensemble est une bonne chose, car c'est ensemble qu'on est fort. Ce n'est pas facile, mais résister. Merci d'avoir eu cette idée géniale. Merci à Monsieur Niaï Adou Bernard d'avoir accepté de joindre son image à cette cérémonie. Cela me rassure, car à travers cette coopérative, je souhaite qu'il jette un œil sur les autres groupements de femmes du département de Taï. Alors je voudrais
que monsieur le directeur, qui est un grand expert, qui puisse nous aider à corriger cette tendance, de sorte que nous puissions avoir des produits bio, comme on en connaît il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver du gombo qu'on aime, ni du riz qu'on aime, que tout le monde connaît, qu'on appelle, je crois, riz Clémence. C'est pourquoi je voudrais que mes soeurs tirent profit de sa visite et qu'ils puissent leur donner les tuyaux pour non seulement les aider à cultiver ces maraîchers, mais également à les commercialiser et surtout à les produire. Monsieur le directeur général de l'OCPV, patron de la cérémonie, en ma qualité de marraine de la cérémonie, je voudrais vous remercier pour votre présence significative qui témoigne de l'intérêt que vous portez pour l'action sociale à l'association des femmes CDAO de Dubaï. Cette association regroupe les vaillantes femmes qui, après avoir mis leurs efforts et dévolus à la disposition de la région en général et de Dubaï en particulier, durant plusieurs années se sont mises ensemble sous l'impulsion de vos serviteurs que je suis pour créer cette coopérative en vue de les rendre et autonome et efficace. Coopérative dénommée Akpa Dadoué, qui signifie en langue ouai, mettons-nous ensemble. Comme le dirait ce proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je voudrais à présent m'adresser à nos sœurs de la CDAO. Comme je le disais tantôt, actuellement l'actualité, voyez, c'est la vie chère. Depuis quelque temps, c'est le sujet dont on parle un peu partout. Aujourd'hui, les denrées alimentaires, les prix ont augmenté sur les marchés, que ce soit au niveau d'Abidjan, que ce soit au niveau des zones de production, les prix ont augmenté. Et les raisons sont diverses. Dans cette localité, beaucoup de raisons ont été évoquées, dont l'évacuation des produits, la question des syndicats. Tout à l'heure, M. Ansel, dans votre intervention, vous avez dit quelque chose d'assez pertinent. Vous avez dit que quand vous prenez le trajet de Kouibli, vous ne voyez plus de plantation de vivriers. Vous ne voyez que des cultures de rente, des cultures pérennes. Effectivement, c'est vrai, parce que au regard des difficultés que nos mamans, que nos frères rencontrent, dans l'écoulement de leurs produits, tout le monde désormais se tourne vers ces cultures où ils pensent qu'ils peuvent avoir un peu plus d'argent. Mais malheureusement, en le faisant, nous délaissons l'essence même de l'agriculture, parce que l'agriculture, son rôle premier, c'est de nourrir les hommes. Alors même si vous produisez des cultures de rente, l'argent que vous aurez, c'est pour payer encore des aliments qui vont coûter cher. Finalement, vous n'aurez pas engrangé des ressources. Donc, c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, en voyant nos sœurs de la CDAO qui se tournent vers l'agriculture, nous ne pouvons être qu'heureux. C'est pourquoi nous voudrons les féliciter pour cet engagement. Nous voudrons les féliciter pour le travail qui va être fait. Nous n'oublierons pas quand même nos parents traditionnels qui évidemment vont mettre des terres à leur disposition pour faire ce travail. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vais prendre l'engagement que mes collaborateurs qui sont ici dans la région vont continuer d'accompagner cette coopérative pour qu'elle gagne en maturité. Parce que un des problèmes aussi qui a été soulevé, c'est que les différentes coopératives qui existent ont du mal à fonctionner correctement. Très souvent, toutes les actions dans la coopérative reposent sur les épaules de la seule présidente. Et ce n'est pas comme ça qu'une coopérative fonctionne. C'est pourquoi je voudrais vraiment engager mes collaborateurs à accompagner cette jeune coopérative afin qu'elle puisse fonctionner correctement. Merci. Je disais donc, monsieur le directeur central de l'OCPV, madame la marraine,
chères sœurs de Dudubaï, votre initiative qui vise votre autonomisation est en parfaite adéquation avec le vaste programme social du gouvernement, dont un important volet est consacré, vous le savez, à l'autonomie financière de la femme. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de votre ardeur au travail. Vous démontrez ainsi qu'une assistance permanente ne nous met pas toujours à l'abri de la précarité. Il faut plutôt rechercher soi-même le chemin de l'épanouissement et du bonheur. Monsieur le directeur général de l'OCPV l'a dit tout à l'heure, je voudrais me joindre à lui pour dire toute ma satisfaction de ce rassemblement pour que l'autonomisation des femmes ici à Dubaï soit une réalité. Aussi, je voudrais vous inviter à perpétuer cet esprit d'union, de fraternité et de paix, afin de demeurer des modèles pour vos sœurs de tout le département de Taï et également, pourquoi pas, des autres contrées.